On est dans un des bureaux d'élection, de nos 25 bureaux d'élection sur le territoire. On est dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Donc, on a une adjointe au président d'élection qui est ici avec son équipe. Dans ces bureaux-là, bien, se retrouve effectivement tout le travail de formation qui va être donné à nos employés pour le jour du vote. Donc, secrétaire de bureau de vote, scrutateur, responsable de salle, etc. Ils sont recrutés, sont formés ici. Ce qu'on enseigne aux gens, essentiellement, c'est ce qu'ils vont faire le 3 novembre, quand ils vont recevoir l'électeur, c'est-à-dire vérifier leur nom sur la liste, s'assurer qu'ils sont bien sur la liste, la pièce d'identité qu'on vérifie, bien sûr. Ensuite, on va rayer le nom de l'électeur quand il a voté, on va lui remettre les bulletins de vote qui correspondent à son district, là où il vote. L'électeur s'en va derrière, remplit ses bulletins, les ramène ensuite, et il dépose ses bulletins dans l'urne. Voilà, pour l'électeur, c'est terminé. Pour le scrutateur, ça va se répéter plusieurs dizaines, voire des centaines de fois durant la journée. À la fin de la journée, quand tous les bureaux de vote sont fermés, les deux employés qui sont là vont ouvrir les urnes et à ce moment-là, tout le travail de décompte va commencer. Alors là où on en est rendu finalement, la prochaine date, c'est bien sûr ce dimanche 3 novembre, c'est le jour du scrutin. Les bureaux sont ouverts de 10 h à 20 h. On est un électeur, on s'amène avec une pièce d'identité avec photo. Il y en a trois principales qu'on connaît bien, le permis de conduire, le passeport canadien, la carte d'assurance maladie. On va derrière l'isoloir, on les remplit, on les remet et voilà, on rentre à la maison.